J on the track, yo. Hey, they ain't ready for this, boy. Click, yeah. Oh, na na na, girl, you look so hot. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec comme système les échelles. Donc le principe c'est d'avoir 2 minutes d'effort, d'enchaîner 2 mouvements. On part de 1 sur chaque mouvement, ensuite 2 répétitions, 3 répétitions de chaque, jusqu'à qu'on atteigne les 2 minutes. Donc je suis toujours en compagnie de la jolie Johanna. Et c'est parti, on va attaquer le sol. Donc vous allez devoir prendre votre tapis, mettre une serviette, bouteille d'eau à côté. Et on commence avec les pompes. Donc, on va faire, je vous montre, une pompe large, une pompe serrée, deux pompes larges et deux pompes serrées. On monte au fur et à mesure jusqu'à qu'on atteigne les 2 minutes. Donc, on va bientôt démarrer, on se place sur les tapis, c'est parti. Vous pouvez le faire jambes tendues ou genoux posés. Moi, je vais faire l'option jambes tendues au début. Et Johanna va commencer avec l'option genoux posés. Donc on attend que le gong parte. Et on va démarrer dans quelques secondes. Et c'est parti. Deux minutes de pompe. Une. Et une. Ensuite deux pompes. Et deux. Et trois. On espace bien les coudes vers l'extérieur sur les pompes larges. Et sur les pompes serrées, vous mettez les coudes vers l'arrière. N'hésitez pas et n'oubliez pas de compter vos répétitions. Donc, n'oubliez pas sur le placement. Les coudes partent vraiment à l'extérieur et laissez tomber la poitrine. Repoussez le sol seulement. Ok, super. 3, 4, 5 et on serre. Donc vous voyez les coudes proches de la taille pour les triceps. Laissez les fessiers hauts, on est toujours en planche. La planche doit être solide sur vos pompes. Ça va Johanna? 5, 6. Super. Allez, on enchaîne. 1, 2. Si vous avez du mal avec les pompes, regardez l'option. On rapproche les genoux des mains, on laisse la tête partir vers l'avant et je repousse seulement le sol. Super. Et après, pour les triceps, c'est pareil. Les fesses en l'air, on laisse les coudes aller vers le sol et je pousse. Très bien. On enchaîne. Qu'est-ce qui est arrivé? Tenez le coup. Ok, on relâche. On a 30 secondes pour souffler. En tout temps. Ça va aller. On attaque une planche, mountain climbers. Donc on se place et tape l'épaule. Planche, je tape à l'épaule une fois de chaque et un genou de chaque. On fait 2, 4, 6, 8. On a le gong. Et on démarre dans quelques secondes. C'est parti, ça donne. 1 de chaque. 1 genou de chaque. 4 de chaque. Ce qui fait 2 de chaque épaule et 2 de chaque jambe. 6. Vous allez sentir vos bras. La planche doit être toujours droite. Et les genoux viennent en bas du ventre. Option, vous pouvez poser les genoux. Et regardez, planche, et je vais chercher. Et là, vous restez sur les genoux et vous montez. Ok, on reprend. On va aller. Et deux. À n'importe quel moment, vous pouvez relâcher.
entre tous nos bras. Si vos triceps sont trop engagés, vos épaules ou votre torse. Et après, vous reprenez. Donc vous voyez sur sa posture, abdos serrés et le dos est droit. Elle envoie du lourd, hein. Donc n'inquiétez pas. Si elle peut le faire, aussi vous pouvez le faire. Ça t'est arrivé ? Et on relâche. 30 secondes en tout. Cette fois-ci, on va passer en Superman. On va travailler le dos. On va s'allonger. Ramener les coudes vers l'arrière, on tire. Une fois, on pose seulement le bas du corps. Deux en haut, deux en bas en décollant les genoux. On va prendre quelques secondes avant de partir. En position jeu. C'est parti. Une en haut, une en bas. Deux derrière. Oh. Et trois en bas. Et quatre. Et quatre en bas. Et c'est bien le haut du corps posé. Et levé jusqu'à le bassin. Enfin du bassin pardon. À la pointe des pieds. Et on tire. Les coudes doivent partir vers l'arrière et vous pouvez tirer les omoplates. Très bien. Voilà, à la poitrine haute. Et on revoit. Ça va, Jo? T'as le coup? T'as le coup? Tout sur le bas du dos. Très bien, on y est. J'espère que ça va, lâchez pas l'affaire. Très bien. Ça va, t'as pas combien ? 10 ! Super ! Une seconde ! Et on relâche. Ah ouais ! On passe sur le dos. Position abdos. On a le basic crunch et le crunch inversé. 1 et 1, 2 et 2, 3 et 3. C'est la dernière échelle. En position de jour. C'est parti. On attend la cloche. Je vais s'arriver, on s'allonge. Et c'est parti. Une en haut, une en bas. 2. 2. Et 2, 3. Enroulez seulement le haut du corps et ensuite enroulez au niveau du bas du ventre, le talon proche des fessiers. Les doigts derrière les oreilles, les coudes espacés. Et on envoie, talon proche des fessiers. Super, comme ça on combine haut et bas du ventre. Parfois. Tout sur le haut et bas du ventre. On y est, on y est. Allez. Allez, à votre rythme, hein. Le propre but d'aller super vite.
Voilà, on regarde au-dessus des genoux, les épaules qui décollent bien. Ok. T'as combien? Allez, tiens le coup. On sent la congestion sur tout le centre du corps. Allez. 10 secondes. Alors on va stopper le timer et on a terminé cet épisode. Bien joué. Donc c'était un spécial pour les échelles. Donc on se retrouve au prochain épisode et je vous dis à bientôt. Salut. When I'm on the stage, I be bustin' move like that. I be nending like that, and I be dabbing it like that. I be whipping it like that. I don't really give to fuck it, I just killin' it like that. I just be rapping and dancing like I'm up in the cuisine. La mer est basse comme une usine. Don't give to fuck if you hating. No matter what you keep saying, your life is always repeating. It's like this, we gotta live with it, girl. Hey.